qu'est-ce qu'on s'amuse. Maintenant j'ai 9 ans et 5 ans. Ils font du manège sur du Aya Nakamura. C'est quoi si c'est... Toi tu ferais bien des emotes de Fortnite. On va t'embaucher pour créer les emotes de Fortnite. Et en fait tu vas danser devant un détecteur. Ça va l'inclure dans le jeu. Genre, je sais pas, c'est quoi ta danse la plus connue hein. Marcher comme un con en journée d'honneur. Bon, ça va peut-être pas passer aux yeux des Peggy, mais... Peggy 12. Tu vois quelque chose, Forest? Là-bas. On nous a volé la voiture, après si tu comprends que c'est... Regardez-le, ça marche crédible. Putain, mais c'est fou! Qu'est-ce qu'il nous fait? Ça le fout! Aïe! Parcours! Eh, hey, t'es un cascadeur, toi! Parcours! Oh, ça! Regarde, il crie feu! Ça, non? Oh, il y a un bonhomme là-haut. Oh, j'ai plu. Dérapage du futur. Allez, on est prêt à aller dans le four. Bonjour mes enfants, bienvenue à Auschwitz. Auschwitz, ça ressemble vachement à la ville en Pologne, mais je vous assure, on n'est pas en Pologne, on est bien en France. Ah ouais, il doit être fondu. Regardez si le chocolat était fondu. Allez, bonjour. Ah, ça fait une bonne idée, ils sont pas là. Alors, Auschwitz en France, ça vous plaît? C'est bonne ambiance, ce sonar? Ah, ce sonar MDR. Bonjour. Regarde. Ouais. Non. Attache-toi s'il y a les clips. Ah merde, c'est vrai. Attache-toi. Moi qui voulais pas respecter les règles. Oh, je suis un chenapan des banlieues. Esprit criminel. Regardez-le, il est en état de décès. La dépression. Se lit sur ce visage. Maman, arrête-toi. Alors, la sortie, mon Dieu. Les gendarmes ils s'emmerdent, ils viennent passer d'une bonne réponse aussi. À la recherche de la sortie du Pokémon. Pokémon. Amour, gloire et décès. La femme devant. Dans les Évènes, la servitude. J'essaie de retrouver les paroles. La servitude. Quelle est la différence entre émigration et immigration? Immigration, ce sont des gens qui viennent dans notre pays, qui volent nos enfants, qui squattent nos maisons. Alors qu'immigration, c'est pour le travail, et c'est nous. Donc ça va. C'est pas ça? Putain de bordel. Je sais pas, mais immigration, j'ai jamais entendu ce mot. Jamais les clichés n'ont été aussi moches. Ah, c'est ça la traduction en géographie, non? Je sais pas, c'est ce qu'ils disent tous. Et migration, alors. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Et migration, en tout cas. Eh ben, migration, ce sont des gens qui naviguent sur les eaux méditerranéennes. Ah, que la Méditerranée, précisément. Je, moi, j'en sais rien. Je suis comme tout le monde, je suis un culte. D'accord. Et ils ont des eaux. Allez, au revoir. Au revoir, les gens. Migration. Des gens qui voyagent dans la Méditerranée pour monter plus au nord, fuyant leur pays de merde.
Là, je viens de définir une immigration, oui, bon. La définition de... Je sais pas... Un migrant. Un migrant. Qu'est-ce qu'un migrant? Ce sont des gens qui migrent. Ouais. Pour bosser dans les usines là-bas. Ouais. Café et une pelle. Bon, la différence c'est que je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut? Ouais, on squatte. Je sais pas la différence entre une cuillère à café et une pelle. Bah non, mais... Et la différence entre men et man. C'est le mot man. Oui, et men, c'est un mot aussi, mais avec un V à la place de. Bah, c'est juste pas le même mot quoi. D'accord. Et la différence entre home et house. Tu t'es jamais posé cette question, hein? On nous a appris home et house pour maison, alors... Bah, home, c'est la maison, et house, c'est la maison, mais différente. Ouais. Moi, je dis pas une maison ou une maison, tu vois, mais ça n'a aucun sens. Le choix de merde.com. Merci. Enfin, vous habiteriez dans un pays désertique comme le sud de l'Algérie ou un pays glacial comme le nord du Canada? Là j'étais, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo.
comment vous arnaquer. J'ai créé une carte bleue. Et il n'y a rien dessus. Mais vous pouvez acheter des trucs. Et tu fais bien youtubeur en vrai. Et là, je les arnaque pas, la GT. Juste pour la gueule, tu fais des millions de vues. La GT, la famille, les cousins. Comment jouer à GTA 6 en avance? Et bah, tu utilises le bug de collision dans GTA 5, mais c'est bon. Et pour avoir l'astuce, il faut aller sur ma chaîne, il faut payer et tout à un truc Messenger. Wow. C'est 100% no fake, bien sûr. Ah ouais. Et aussi, il y a mon Telegram là. Et tout. Vous pouvez gagner 100 000 euros par mois. Ouais. Tout ça en allant sur un site pas du tout dangereux, non. Vous vous inscrivez vos infos bancaires, pas dangereux, non. C'est très bien. Ok, bonjour, alors ils volent comme un attardé. Ouais, la zone, alors aujourd'hui il y a Gab El Melero West la zone. Il va réagir à vos commentaires qui disaient les rageux, là, les petits bâtards parmi vous qui disaient que c'était de l'arnaque tout ça. Alors là il va vous répondre du coup à tous les insolents qui t'ont insulté là, qui ont dit que c'était de l'arnaque, ta merde, que c'était à chier, qu'est-ce que t'as à dire? Oh, je me suis shooté, mec. Heureusement qu'il y avait leur thune, comme ça je peux acheter de la drogue. On est en vidéo là. Tu dois répondre justement à ceux qui disent que c'est de l'arnaque. Faut pas confirmer, faut contredire. Ouais, c'est faux parce que. Ils t'ont insulté et tout en plus. Ok, vous avez plus votre argent, mais c'est pas grave. Parce que maintenant il y a moi. Ouais. Et je l'utilise plus que vous, donc c'est mieux. Et plus utile. Oui, voilà. Ouais. Skip, là, il y a des flics qui nous attendent chez nous, donc... Non, mais ça, c'était conneries. Moi, je pense pas que c'est vraiment des conneries, hein. Enfin, un truc à dire à la communauté avant d'être envoyé en tôle? Eh bah, merci pour votre don. C'est gentil. Ça je suis riche maintenant. Ça va partir à l'État, donc... Je vais maintenant. Ah si, tu vas aller en tôle, donc...